Peace. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike. Et aujourd'hui je vais vous présenter les nouveautés du quartier maître de Call of Duty Infinite Warfare. Donc en multi, hein, parce que le quartier maître ne se trouve que dans la section multijoueur. Alors il n'y a pas grand chose, il y a juste gros piratage d'armure, donc le message du jour que je vous lis. Des piratages d'armure comme s'il en pleuvait. Allez faire un saut chez le quartier maître jusqu'au 19 juin pour terminer le piratage, des piratages d'armure garantissant une tête d'armure, un corps d'armure et une provoque épique. Reconfigurez votre armure avec un superbe nouveau piratage. Donc voilà. Donc là, c'est la seule nouveauté qu'il y a eu du quartier maître. Donc là, je vais vous la montrer tout de suite. Donc c'est un truc qui ne m'intéresse pas du tout. Parce qu'en fait, ben, je ne joue jamais en multi, donc ça ne m'intéresse pas du tout. Mais je vais quand même ouvrir, allez, on va dire 3 trucs comme ça pour vous montrer ce que ça peut donner. Ok. Donc je vais sur Call of Duty Infinite Warfare, je vais en multijoueur. Donc tout ou rien, qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, il y a un petit message du jour, on va le lire. Hein. On sait jamais que ce soit un nouveau truc. Bon, attendez, parce que voilà. Montrez à tous votre courage, à tous votre courage et votre combativité et votre cran dans la section de la semaine, tout ou rien. Atteignez le sommet en pillant tout sur votre passage. Tout le monde commence avec un Kendall 44, un couteau classique et un couteau de lancer. Pas d'armes ni d'accessoires compliqués, juste un pistolet et un couteau et beaucoup d'audace. Ok, donc c'est un nouveau mode de jeu. Donc tout ou rien, hein. On va aller voir un peu. Parce qu'il s'est mis à l'affiche. Voilà, tout ou rien, un nouveau mode de jeu. Donc n'hésitez pas à aller le tester. Donc ça pourra sûrement vous intéresser. Alors nous c'est pas ça qui nous intéresse. On va aller directement dans le quartier maître. Donc il faut savoir que je vais faire un opening aussi, parce qu'il me reste un jour et une minute. Donc je vais m'ouvrir 3 packs à 525 clés. Mais d'abord le sujet, c'est la nouveauté du quartier maître. Donc on va aller dans nouveauté et on va ouvrir 3 fois ce genre de choses. Donc ça garantit une tête d'armure, un corps d'armure et une provocation épique. Donc à mon avis, si je comprends bien, ça fait une tête, un corps et une provocation en épique. Vous êtes obligé d'avoir des trucs en épique, si j'ai bien compris. Donc, on va bien voir. Il n'y a pas de limite d'achat apparemment. Ça se termine dans 2 jours et 1 heure. Et chez moi, il est 17h. Donc ça se terminera à 19h. Demain mardi. Donc ça finira à 19h mardi les potes. Donc vas-y, j'achète. Ok, ça se termine un jour plus tard que le pack juste au-dessus. Bon allez, c'est parti. Acheter avec des matériaux. Ah ouais, ça coûte 1000 matériaux les potes. C'est pas grand chose. Donc ok, c'est pas tout du épique, c'est la provocation qui est épique. Et le reste n'est pas épique. Donc c'est dommage. J'aurais espéré que ce soit les 3. Bon après moi je m'en fous un peu. Donc là vous pouvez voir que j'ai eu du rare, une tête. Un corps légendaire et une provocation épique. Ok, je pense qu'on ne peut pas avoir de doublons, on verra bien. On va ouvrir 3 trucs, donc on verra bien. Et ah, là, c'est bien. Oh putain, et une tête épique, une provocation épique et un corps rare. C'est pas mal, franchement, c'est vraiment pas mal. Allez, on ouvre la dernière parce que c'est des choses qui ne m'intéressent pas. Donc c'est vraiment juste pour vous montrer. Donc rare, épique. Donc, ouais, voilà. Donc, ouais, c'est pas mal. Sachant que ça coûte 1000 matériaux, que c'est très difficile à avoir des matériaux. Donc c'est vraiment pour ceux qui veulent avoir une tenue très sophistiquée. Ben, je vous invite à faire un maximum de matériaux pour ouvrir ce genre de choses. Il vous restera 2 jours et 1 heure. Donc le temps que je poste la vidéo, il vous restera moins de 2 jours. Hein. Alors là, ben voilà, hein, les nouveautés du quartier maître sont terminées. Il n'y a rien d'autre de nouveauté. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir 3 fois ce pack-là qui est à 525 clés. Donc ça me coûtera 1075 clés, 1575 clés, voilà. Et faut savoir que je vais avoir 15 largages de ravitaillement rare. Un largage de ravitaillement rare coûte 30 clés, donc 15 x 30 ça fait 450. Donc voilà, j'aurai 450 clés de récupérer. Donc le pack me coûte 75 clés au final. Mais avec 75 clés, donc parce que c'est remboursé, hein, donc je vais user 75 clés pour avoir un largage de ravitaillement épique. Il faut savoir que les largages de ravitaillement épique peuvent vous donner un doublon. Vous allez avoir un prototype de marque 2. Normalement, ça ne vous donnera pas de doublon. Et vous allez avoir un camouflage d'armes épique, que vous pouvez avoir un doublon.
Donc il n'y a que le MK2 que vous pouvez pas avoir de doublon. Donc on va dire que vous allez payer 75, au pire, hein, je dis bien au pire, vous allez payer 75 clés pour avoir au moins une MK2 de type... Ils disent pas le type. Donc ça doit, c'est aléatoire. Ah, attendez. Ouais, non, c'est aléatoire. Donc vous pouvez avoir une MK2 standard, je pense, comme vous pouvez avoir une MK2 épique. Donc voilà, vous allez payer 75 clés pour avoir un MK2, mais ça c'est au pire des cas, parce que vous pouvez avoir des autres trucs, dans, par exemple dans le truc largage de ravitaillement épique, vous pouvez avoir une arme épique, donc voilà, sans avoir un doublon, donc c'est quand même pas mal. Après il y a le camouflage aussi en épique, vous pouvez avoir un doublon, mais si vous n'en avez pas, ce sera encore plus bénéfique. Donc 75 clés, moi je trouve que ce pack est vraiment très rentable, parce que 75, rien que 75 clés, un MK2, c'est déjà quand même pas mal, hein. C'est vraiment pas cher, parce que vous allez user 300 clés dans un ravitaillement rare, ça se trouve vous n'aurez même pas une seule arme MK2, hein, parce que parfois ils vont vous donner que des doublons, ça dépend de l'arsenal que vous avez. Moi j'ai un arsenal très très rempli, donc voilà. Alors là on va acheter les 3, hein, c'est parti. De toute façon ça fait un petit moment que j'économise. Oh putain, je vais retrouver, déjà plus trop vite sur X, et là ça m'a ouvert le largage de ravitaillement. Ah, ok, j'ai rien dit, ça m'a ouvert un largage de ravitaillement standard, ok, donc ouais, ça va. Et regardez, je suis passé à 299 largage de ravitaillement rare, donc on continue à acheter, hop. Et là, je suis passé à 314, et encore une dernière, et là, on passera à du 329, parfait, parfait. Donc maintenant, on va ouvrir les trucs, hein, qui sont ici, dans l'inventaire. On va d'abord commencer par le camouflage, parce que c'est le camouflage que je me... J'aime bien les camouflages, mais voilà, il y a mieux, hein, c'est les armes le mieux. Donc là, j'ai eu un camouflage épique que je n'avais pas, donc c'est parfait. Par contre, le reste, j'ai eu en doublon, donc on s'en fout. Ok, donc le camouflage vert, il bougeait tout ce camouflage, hein, si vous voulez savoir. Lanceur, camouflage tête de mort, je ne sais pas si ça bouge. Je vais aller voir, mais je pense pas que ça bouge. Alors, merde... Et le camouflage, le dernier épique que je viens d'avoir, lui aussi il bouge. Donc je vais aller voir juste un truc. Donc je vais retourner dans le mode zombie parce que moi le mode multi je ne connais pas réellement. Donc voilà, kit d'armes. Et on va aller dans le lanceur. Et dans le lanceur j'ai eu un camouflage, donc triangle, camouflage et avec des têtes de mort. Ok, ça ne bouge pas. Ouais, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas du tout, donc voilà, ça ressemble à ça. Je le trouve bof. Bon, on va dire qu'il est quand même mieux que le Popo. Mais bon, bref. Alors, on ira changer ça plus tard. Donc, partie personnalisée, partie publique, voilà, hop. Donc là, je peux plus en acheter. Ah oui, il faut savoir que ce pack bonus n'a pas de limite. Vous pouvez l'acheter autant de fois que vous voulez. Je vous conseille, donc moi, je vais encore faire encore une fois. Je vais l'ouvrir demain, puis ce sera tout. Alors, piratage quartier maître marque 2 et ravitaillement de épique. Donc on va faire des ravitaillements épiques et puis on fera MK2. Alors, voyons voir. Ok. On m'a donné une carte de visite épique que j'ai sûrement. Oui, j'avais déjà. Parce que j'ai toutes les cartes de visite épique. Donc voilà. Alors on m'a donné en tout, enfin, on m'a donné un peu plus de 200 matériaux. Je n'avais que des doublons. Ah, ce camouflage là, j'ai pas eu, donc j'aurais pas un doublon. Mais le reste j'avais. Ok, on continue. Dernier ravitaillement épique. Ok, je l'avais déjà. Donc vous voyez bien que le ravitaillement épique, c'est pas trop ça. Que des doublons. Donc encore, là j'ai gagné 300, un peu plus de 300 doublons. Matériel. Alors, on va aller ouvrir. Le plus intéressant, c'est ça. C'est le type quartier maître marque 2. Moi j'ai tellement de armes, ils vont me donner des trucs. Que je n'ai pas cet objet et ce sera sûrement de l'épique ou du légendaire ou de rare parce que j'ai tout de standard. Et regardez, il me donne une MK2 en épique, c'est parfait. J'ai eu la Volk Goliath et j'ai eu la Mauler en plus, hein, la Mauler Winner en légendaire, c'est parfait, parfait. Donc ça, c'est pas une MK2, hein. Mais c'est franchement, c'est parfait. Moi, je vous dis 75 clés rien que pour ça, moi je suis content. Hein. Le reste c'était de la merde, mais là, je suis content. Allez, la Auger Führer en épique en marque 2. Allez, je suis content, c'est parfait, franchement. Bon, c'est sûr que si vous avez pas beaucoup d'MK2, vous risquez grandement d'avoir du rare. Hein. Ou à moins qu'il donne que de l'épique, je sais pas. Bon, en tous les cas, moi, il me donne que de l'épique parce que j'ai beaucoup d'armes, donc voilà. Ou peut-être, mais il ne précise pas. Attends, je vais quand même aller voir. Et là, j'ai eu quoi? La Xeon Warzing Fils d'Assaut MK2. Putain, franchement, ça fait trop plaisir.
Ok. Donc là, mon arsenal, il est en train de grandir, un truc de fou. Donc il faut que je regarde un truc. Alors, obtenez 15 largages de ravitaillement rares aléatoires et un largage de ravitaillement épique aléatoire. Ce pack garantit aussi un prototype marqué 2 épique. Ah, c'est bien de l'épique. Waouh! Donc franchement, 75 clés et 75 clés pour avoir un type marque 2 épique, c'est rentable à mort. Moi, je vous conseille fortement. Ou alors, ne m'écoutez pas et usez vos clés en ravitaillement rare si vous êtes des personnes qui ne me croient pas. Bref, donc on va aller voir un peu. Regardez un peu tout ça. Donc il m'en manque 2, là, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il m'en manque 9 dans les fusils d'assaut. Il m'en manque une dans les fusils mitrailleurs. Ouais, il m'en manque une dans les mitrailleurs. Il m'en manque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dans les fusils mitrailleurs. Dans les fusils de précision, il m'en manque 1, 2. Dans les fusils de combat, oula, putain, la river, j'ai rien eu en MK2. 1, 2, 3, 4, 5. Ah si, j'ai eu des pics. 5, 6, 7, 8, 9. Il m'en manque 9 dans fusil de combat. Dans arme de poing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Et non, bah, ça fait 6, 9, 15, 9, 15 plus 9. Non, là c'était pas 9, c'était 2. 15 plus 2, ça fait 17. Là, il m'en manquait 9. Donc 9 plus 17, ça fait 26. Là, il m'en manquait 1, ça fait 27. Et là, plus 9, ça fait 27, ça fait 36. Il me manque 36 MK2. 36 MK2, les potos. C'est vraiment de la tuerie. Et quoi, il me manque de l'épique? Il manque une épique, deux épiques. Okay. Ça, il faut faire attention parce que si vous ouvrez maintenant, imaginons que j'avais tout en épique. Par exemple, j'avais toutes les armes en épique. Eh ben, il m'aurait donné du légendaire. Ou alors, il m'aurait donné un doublon épique. Dans le pack que je viens de faire, le MK2. Je vais toujours vérifier si vous avez tout, mais achetez qu'une seule fois pour voir ce que ça vous donne. Hein. Parce que si ça vous donne du légendaire, 75 clés en légendaire, c'est quand même pas mal. Vous voyez, j'ai presque tout en épique, hein. Il manque 3. Voilà, 3 épiques, je pense. Donc voilà. Alors, quartier de labo, elle m'en manque pas du tout beaucoup non plus. Hein. Il m'en manque 2 ici. 3. 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23. Il manque 23 dans le labo expérimental en sachant que je peux carrément les acheter avec mes boulons. 23, ouais, ça me fait quand même beaucoup de boulons. Je crois que j'ai pas assez de boulons pour le faire. Alors on va aller voir dans collection quartier maître. Et là, il m'en manque que une, c'est celle-là. La Warsight. Donc voilà, après je sais pas si je serai le premier mondial à finir mon arsenal, mais je n'ai jamais vu une vidéo de quelqu'un qui a l'arsenal complètement fini. Donc bien sûr mon objectif c'est de le finir, hein, pas spécialement le premier mondial, mais dès que je l'aurai fini, je ferai une vidéo pour vous montrer que je l'ai tout fini. Donc j'irai même débloquer, ici j'ai tout débloqué. Hein. Oh shit, il me manque une... Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer vite fait niveau 50 et je vais débloquer toutes ces cartes, toutes ces armes. Les 1, 2, 3, 4, 5. 5 armes que vous ne pouvez débloquer que en étant niveau 50. Voilà, niveau 50 de la dernière unité d'intervention. Donc je suis niveau 100 partout. Hein. Sauf celle-là parce qu'il faut être niveau 55 pour la débloquer, je pense. Ah non, il faut passer un prestige pour la débloquer. Et ici, il ne me manque qu'une seule arme. Ouais, ça, je l'avais déjà montré. Et là, là aussi je débloquerai tout hein, quand j'aurai assez de boulons. À mon avis, je vais en avoir assez largement. Et je débloquerai tout, comme ça j'aurai vraiment débloqué 100% de tout. Et il faut savoir que sans glitch, c'est impossible de débloquer tout. Donc seuls les glitchers pourront tout débloquer. Seuls les glitchers pourront profiter de tout. Donc, par contre, les équipements, je pense pas vouloir les débloquer. Mais bon, on verra ça. Alors, je voulais faire quoi là? Ah ouais, voilà, c'est ça que je voulais voir. Unité d'intervention,
Voilà, débloqué au niveau prestige 1. Donc il va falloir que je passe un prestige. Et puis après, ben, je me mettrai dans le glitch et je passerai niveau 100 partout. Et j'aurai débloqué toutes les armes du jeu. Ce sera un truc de fou. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, les potos. Allez, ciao. Peace. Yummy, bruh.